Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on part à la découverte du jeu Astro Bot. Voilà, enfin, je l'ai récupéré aujourd'hui. Hein, il sort aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, le vendredi 6 septembre. Alors, comme je vous dis, je vous ai déjà dit sur plusieurs vidéos, il y a pléthore de jeux qui sortent. Hein. On a eu Black Myth Wukong, on a eu Star Wars Outlaws, on a Astro Bot, on a Warhammer 40 000, on a le Plucky Squire, on a également Zelda Echoes of Wisdom, on a un mois de août-septembre qui sont complètement dinguissimes en termes de jeux vidéo, et on a des petites pépites, des jeux qui valent vraiment le coup, et apparemment celui-là, beaucoup s'accordent à dire que c'est le Game of the Year. Hein, vous retrouvez d'ailleurs la vidéo Ça vaut quoi, qui référence un peu toutes les notes et tous les avis des joueurs, des journalistes. Donc allez voir cette vidéo, vous verrez, c'est tout le monde est d'accord sur justement ce que vaut ce jeu et le fait qu'il peut être GOTY. Alors moi déjà, vous voyez la boîte, je l'ai reçue, il y a un truc qui m'a interpellé, que j'ai trouvé vraiment sympa. Bon déjà la boîte est vraiment cool, c'est très feel good aussi à l'arrière, hein, c'est très simple. Mais c'est surtout à l'intérieur, alors au-delà d'avoir une jaquette comme ça, qui est en impression, qui est très très bien faite, où il y a de la recherche quand même sur justement la boîte, hein, vraiment, regardez, hein, il y a une petite recherche quand même très sympa sur la boîte. Il y a surtout, donc avant de se lancer dans l'aventure, parce qu'on est là pour la découverte, il y a surtout ce petit bouquin qui fait office justement de manuel, mais sous forme de poster, sous forme de BD. Et alors d'un côté, on a effectivement le poster d'Astro Bot, je vais essayer de vous montrer ça à l'écran, qui est ici, hein, qui représente la PlayStation 5 avec, plein de petits personnages qui jouent à la manière de trouver Charlie, quoi. Donc je trouve ça vraiment super cool. Et surtout, à l'arrière, on a une petite BD qui va, de par ses cases comme ça, vous montrer comment jouer au jeu. Donc croix, L2 plus R2, carré, comment faut appuyer pour donner des punchs, pour sauter, pour activer les petits lasers. Et donc je trouve ça super intelligent, justement, de montrer, de faire une espèce de manuel comme ça, sous forme de BD. Voilà, une idée intelligente, franchement, de la part des développeurs de la team Asobi, avec Nicolas Doucet à la tête, hein, qui est français, donc Cocorico. Et donc, franchement, voilà, une bonne petite idée. J'avais envie de vous montrer ça avant de partir, justement, en découverte du jeu. Mais voilà, j'ai hâte de lancer le jeu. Je pense que vous aussi, vous êtes là pour ça. Vous attendez de voir ce que vaut ce jeu Astro Bot. Donc, on va partir tout de suite dans l'espace, dans les différents mondes de ce jeu en exclusivité sur PS5. Donc, installez-vous confortablement. On part sur le jeu Astro Bot. C'est parti. Allez, c'est parti. Déjà la memory card, ça commence direct. Hein. Vous avez le son de la manette là, vous l'entendez. Là, il y a beaucoup d'interactions avec la manette, hein, parce que c'est vraiment fait pour la DualSense. Donc là, je vous enregistre la partie en 2560 par 1440, donc quasiment en 4K. Si vous entendez des bruits extérieurs, hein, ça vient vraiment de la manette. Hein. Et on ressent déjà bien les vibrations. Donc le Astro's Playroom qui était déjà sur la PlayStation 4 quand la console a été vendue en 2020, c'était vraiment excellent. J'ai dit PS4 ou PS5 ? Sur PS5, je ne suis pas trompé. Hein. Extraterrestre qui va démonter la console, hein. Le CPU, le ventilateur, la carte graphique, tout ça qui a foutu le bordel dans la console. La console n'a plus de moteur, elle s'éclate, les bottes aussi, et la console qui est nue va s'échouer sur une planète. Et il ne reste plus aucun bot à l'intérieur. Le but, ça va être de les retrouver un par un dans l'univers de PlayStation depuis 1995, ère de la PlayStation 1 jusqu'à 2024, ère de la PlayStation 5 Pro. Vous avez une vidéo sur la PlayStation 5 Pro sur la chaîne, hein, vous verrez, c'est imminent, hein, l'annonce. «
C'est très très beau pour le coup, hein, vraiment là. DualSense Collector. Que vous pouvez acheter, il y a la DualSense Collector qui existe. Allez, on secoue la manette. Sans toutes les vibrations. Oh, on ressent vraiment tout quand on marche dans le sable. Là, on a l'impression de retrouver comme Astro's Playroom. La manette utilisée à fond pour ce jeu-là. C'est hyper intuitif, ça se manie super bien. Avec un petit coup de poing. La manette qui fait office de vaisseau. Okay, donc on a plusieurs mondes, en voilà 1, 2, 3, 4, 5 mondes. Allez, on va se rendre vers le monde du gorille, hein. Nébuleuse du gorille. Donc 42 bottes à retrouver, 16 pièces de puzzle, 2 je sais pas quoi, on verra. Turbo scanner. Alors, on peut scanneriser la truc. Le turbo. Ok, allez, c'est parti. Ah ok, dans chaque... En fait, c'est des... C'est des... Dans chaque univers, il y a plusieurs planètes. Jardin céleste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, on atterrit. C'est très beau, hein. Il y a des effets partout. Alors, on va jouer à peu près, je pense, 45 minutes pour se faire une petite idée. Et puis ensuite, j'essaierai de vous fournir mon test du jeu. Donc là, ouais, on peut diriger la manette. Ouais, c'est super fluide. Excellent. Trop bien. Et j'essaierai de vous faire un test. Hein, après, si j'arrive à le finir en 15 heures. La semaine prochaine, je suis en vacances. J'ai une semaine. J'ai pas eu de vacances en juillet-août. Donc j'en profite pour me rattraper maintenant. Donc si j'arrive à jouer comme un malade toute la journée, je peux peut-être vous faire un test là dans les quelques jours à venir. Donc voilà, encore une fois, pour me soutenir, vous pouvez vous abonner, activer la petite cloche, et puis lâcher un gros pouce surtout pour vraiment soutenir la chaîne. C'est hyper important, et puis comme ça, on poursuit l'aventure YouTube tous ensemble. C'est vraiment une chaîne feel good, une chaîne chill. On est là pour parler de cinéma, de jeux vidéo... de figurines, et j'essaierai de faire des lives plus récemment, parce que le dernier live qu'on a fait, il était vraiment super sympa avec les abonnés. Là bientôt il va y avoir raté, bientôt il va y avoir l'annonce de la PlayStation 5 Pro, c'est imminent, donc ça sera sûrement sur un PlayStation Showcase, donc on fera un live, pareil pour la Nintendo Switch 2. Il y aura un reveal, il y aura quelque chose, donc je vous ferai rater encore une fois, bon ouais, c'est pas grave. Je pense que on va rater quelque chose si j'arrive pas à aller là-haut. Non. Je suis sûr qu'il y a quelque chose à prendre là-haut, c'est obligé.
Donc voilà, il y a plein de trucs sur la chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. On est déjà 3000, presque 3500. C'est très très beau. C'est fluide, 4K, 60 FPS. Très coloré. Rien à dire. Voilà, on a réussi. Est-ce qu'on va aller là-bas? On va y arriver. Et raté. Voilà, il y a un bot. Premier bot. On le ressent dans la manette, hein, et un checkpoint. Ok, super. Si je tape là-dedans, là, est-ce qu'il y a quelque chose? Non. J'ai envie quand même de réussir à aller sur l'autre là-bas, là. Ah, on va pas y arriver. Bon, c'est pas grave, on avance. On a le premier bot, on a le premier checkpoint. On va prendre les petites pièces qui sont là. Je vais quand même descendre, voir s'il y a rien en dessous. Toujours vérifier dans ce jeu, il y a plein de petits passages secrets. Comme dans Astro's Playroom. Hein. Je l'avais fini à 100%. C'était quand même un jeu qui durait 6-8 heures. Si on se prenait le temps de tout visiter. Plutôt plus 6 que 8, quoi. Mais j'avais réussi à récupérer tous les objets... Qui correspondent au monde de PlayStation. J'avais trouvé ça vraiment génial. Là, ce jeu commence très bien. Deuxième bot sauvé. Ok, on est bon. Ok, c'est hyper intuitif. Les petites pièces qui vont bien. Le football, là. Boum. Et hop. On ne peut pas utiliser les balles autrement. Vraiment, le haut-parleur de la manette est vraiment exploité à 100%. Maintenant, je pense que... Ah, on est mort. Un coup, on est mort. Après, je pense qu'il vous faudra au moins 2 ou 3 manettes, hein, pour recharger. Parce que sinon, vous risquez très vite d'être à court de batterie. Parce que bah là, la console, l'utilisation de la manette est tellement poussée que bah la batterie va pas faire long feu. Hein. Le petit laser qui va bien pour les dégommer. Alors on va aller par là, regardez, hop. Je suis sûr qu'il y a un petit secret, voilà. Et une pièce de puzzle. Première pièce de puzzle. Voilà, on a bien fait de venir ici. Et donc là. Et un bot. Hey, le bot Ratchet & Clank. Lombax. Super, on a un premier déjà. Faut laisser charger. C'est marrant. Ah super, c'est la... Putain, la... Hop, on est au fond de l'eau. Ça enchaîne bien, franchement. C'est super fluide, c'est super maniable. On parle toujours de la science de gameplay de Nintendo. Là, je peux vous dire que Asobi, waouh. Ça fourmille de détails. C'est hyper maniable. Attendez, il y a un truc sous l'eau là. C'est obligé, je peux... Peut-être trouver un moyen d'ouvrir ce truc là. Ouais, tout simplement. Un petit passage secret. Un lapin. Super.
Super, un deuxième personnage. Je pense qu'il y avait deux personnages principaux à trouver. Je les ai trouvés. Parce que au début, il y avait sur les petits personnages à trouver dans les bottes, il y avait deux petits bottes avec des petits carrés triangles grand cran en jaune. Je pense que c'était des bottes spéciaux. Et je pense qu'on les a trouvés, hein, c'était ces deux-là. La tortue là, est-ce qu'elle me donne quelque chose la tortue? Là je pense qu'on peut rebondir. Là il y a... Pourquoi il y avait des feuilles qui tombent? Il doit y avoir un truc là-haut, ce objet. Voilà, je pense qu'on peut rebondir, voilà, et arriver là-haut, sur le canard. Ah, j'active trop tôt mon propulseur. Voilà, et voilà. Ah là où il doit y avoir un truc, c'est sûr. Il y a un petit plongeon là. Ah bah là il y a un bot, vous voyez, je vous avais dit. Voilà, pour l'instant on les a tous. Je pense que ce qu'on peut faire en... un petit saut avec des pièces, voilà. Comment on chope le flamant rose là qui avait une pièce de puzzle? Il va atterrir. Je pense qu'on peut l'atteindre de là-bas. Ah, raté. Tous les petits bruits, tous les petits trucs. Qu'il arrive par là et là. Ah, est-ce que je vais réussir? Bon, c'est pas grave. Ah bah voilà, je peux. C'est super marrant. Allez, je l'ai eu, c'est bon. On va se mettre là. Faut dégonfler nous-mêmes le ballon. Ok. Très marrant. Est-ce qu'on peut faire quelque chose par là? Oui, du coup, je pense qu'on peut. Voilà, aller là-bas grâce à ça. Ah, je pense qu'il y a moyen de y aller en sautant d'abord et ensuite en faisant en gonflant. C'est ce qu'on va essayer de faire. Hein.
Allez, regardez, on avait raté ça aussi. Donc là, je pense que... Ou alors, on va carrément aller sur l'arbre, là, voilà. Comme ça, on sera encore... Bah, regardez. Chaque fois, petit secret des pièces. Je sais pas si ça a une incidence, les pièces, si on peut en récupérer à la fin beaucoup plus. Je sais pas, on verra bien. On va partir de là. Voilà, et là, on va être bon. Oh non! Ou alors tout simplement on monte sur le canard, je me prends la tête pour rien, je pense. Voilà, c'est aussi simple que ça. Pris là. En tout cas, c'est hyper intuitif. Hein. C'est la prise en main, elle est immédiate. Si vous êtes un gamer, c'est facile. Hein. On peut aller voir ce qu'il y a en bas. Allez, encore un, et on les aura tous dans ce niveau. Allez, je vais prendre toutes les pièces. Hein. On va pas en laisser une seule. Allez, j'ai tous les bottes de sauver là. Ça, c'est plutôt cool. Avant d'y aller, on va aller voir là-bas. S'il y a pas un petit secret. Toujours pareil, hein, les vibrations là, haptiques dans la manette, c'est super bien géré pour le coup. Ok, L2 plus R2 pour voilà, activer les propulseurs, les réacteurs. Et on a nos 7 bots. On ramène sur notre planète principale. Super. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va aller vers le ice cream là ou par là? Allez, par là, ça me tente plus. Allez, c'est parti. Pour l'instant, super prise en main, super agréable. On est dans un monde aztèque un petit peu là. On a plus notre petit robot qui nous permet de gonfler là. Alors. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ah oui. Oui. On touche et quand la manette vibre plus fort, c'est le bon endroit. Ok, super. En fait, on bouge et on sent que la manette vibre un peu plus. Et c'est donc à cet endroit qu'il faut pousser le bloc. Super intelligent.
J'entends un bruit là-bas, voilà. Ok, premier bot sauvé. Tous ces petits morceaux, tout ça qui s'éclate. Alors attention. Ici. Point grenouille. Ok. Ah, c'est super marrant. Et là, faut tirer. Ok, très bien. J'ai rien raté derrière là. Bon, ça a l'air d'être bon. Allez, bon, on continue. Allez, toi là. Dégage. Alors, toujours avec les gâchettes adaptatives qui sont un peu plus dures. Hein. Quand on tape. Il est pas très content que je touche à son bébé. Ah, il y a un truc là. Ça, c'est les... ah, j'allais dire, c'est les pommes de Crash Bandicoot. Et ben voilà, bim. Crash Bandicoot. Super jeu sur la première PlayStation, hein, c'était ouf. Et c'était par les réalisateurs de Uncharted et Last of Us, hein, Naughty Dog. Hein. Une première pièce de trouver. Bam! Ok. On va récupérer les pièces au fond. J'entends un bruit là, non? J'entends un personnage qui m'appelle. Il y a un personnage dans le coin là. Sûr et certain que j'ai entendu un personnage. J'essaie de l'entendre. Là, il y a un truc là. J'ai entendu un bot m'appeler. Il y a un bot dans le coin, c'est sûr et certain. Continuer, on verra bien. On va pas le taper trop fort parce que sinon on ne pourra pas sauter, voilà. Très pratique ces petits points là. Là à mon avis on peut casser ça. Oh,
En tout cas, ce qui est ouf au premier abord, hein, quand on prend le jeu là, quand on fait la découverte et qu'on lance le jeu, c'est la maniabilité quoi. Le gameplay, tout ça, c'est intuitif de ouf quoi. Vous avez l'impression d'avoir de connaître ce jeu depuis tout le temps quoi. Ok, toutes deux bottes. Ah. Chargement immédiat hein, de la console, bien sûr, avec le SSD. Je regarde si j'ai rien oublié au fond là-bas, mais je crois pas. Hein. Là, sur la gauche, apparemment, on peut peut-être y aller sur cette petite île là-bas. Là. Les deux d'ailleurs. On verra bien. De toute façon, on peut revenir à tout moment dans chaque niveau. Hein, donc, je me suis fait écraser. On peut revenir après dans les niveaux pour les finir, les compléter à 100%. Ok, les trois pièces de puzzle, c'est bon. Bah, c'est hyper maniable, hyper intuitif, comme je vous dis. Avant d'aller là, on va aller là-bas. Petit passage secret. C'est tellement intuitif, vous imaginez pas, on a vraiment l'impression d'avoir joué à ce jeu. Ah, raté. Depuis tout le temps, quoi. Et Jack and Daxter en haut. Je l'ai vu. Toutes ces licences hein, qui ont fait la renommée de PlayStation. Hop, on y est. Ah, il m'en manque un du coup. J'en ai raté un. Je l'entendais tout à l'heure de loin et je vois pas où j'ai pu le rater. C'est pas grave. Oula. Un méga boss. On bourrine le bouton. Voilà. Bon, il m'en manque un, c'est pas grave, on reprendra plus tard dans le niveau pour essayer de le rechoper. Ah, je l'ai raté, oh là là, n'importe quoi. Allez, on va se faire le troisième monde ici, là.
canyon crémeux. Ça, c'est pour faire des photos. C'est de la crème tout ça là. On a envie de croquer dedans quoi. Avec des bonbons et tout. Putain. Solid Snake. Excellent. C'était le premier à trouver. Il y a peut-être des bots qui vont être super bien cachés. Hein. J'ai vu dans les différents tests et vous retrouvez la vidéo sur ma chaîne où en fait il y a certains bots qui sont pas si évidents que ça à trouver. Hein. C'est tellement intuitif, je ne l'ai même pas. La facilité déconcertante qu'on a à jouer à ce jeu. Ça, on ne peut pas le dégommer. Non. Je regarde si j'ai rien raté parce que ça m'embêterait de rater des trucs si c'est. Ok. Le cochon, il est pas facile. Peut-être le bousiller comme ça, non? Ah non, la queue. Ah oui, excellent. Boum. Non, non, viens là, il y avait un truc là. Ah, dommage. Je suis sûr que là à gauche il y a un truc là. Voilà, regardez. J'ai l'œil. D'accord, super, des ennemis, mais est-ce que ça va me donner quelque chose? Ah, il y a un bot là-haut. Ok, il y a un bot, on va aller le chercher. Alors là, ça a amené rien à part combattre un ennemi. Mais ça a permis de voir qu'il y avait un bot là-bas. Allez, on y va. Ah, Psychomantis. Et j'ai oublié un bot entre deux, là. Psychomantis, toujours de Metal Gear Solid. J'ai raté un bot encore. Bizarre. Bon. J'ai peut-être une idée. Voilà. Là, il y a un truc secret, vous avez vu. Ah super. Et là le bot que j'avais raté. Ah non, même pas. Et bah écoutez, ouais, à mon avis il est là, mais... Si je laisse appuyer sur carré, on va. Non, ça fait rien du tout. Enfin, quoi il peut être, où on en a quand même trouvé un. Qui était bien caché d'ailleurs. Hein.
Allez hop. Oula, il y a un truc là, voilà. Super. Bon, déjà, j'ai les trois, et là... Un petit bot. Ah, il m'en manque un spécial, là. Ah, y en a un, regardez. Je pense qu'on va le trouver là. Bon, on l'entend là déjà. Voilà, allez, bousille-moi tout. Toujours dans Metal Gear. Hein. Au moins on l'aura trouvé. On sera pas parti sans l'avoir trouvé. Le petit cochon. Je suis mort. Pour l'instant, aucune difficulté majeure hein, dans le jeu. Alors, on va le garder dans la... Ah ! J'ai oublié d'activer mes propulseurs. Bon, il me manquera un hein, que j'ai raté. Je sais pas du tout où je l'ai raté, mais c'est pas grave. On a trouvé Sweet Snake, on a trouvé Psychomantis, et derrière je me rappelle plus. Mais on est dans l'univers de Metal Gear là. Ah, je vais pas m'enfoirer là. Voilà. Non, non, on va essayer de choper le truc là-bas. Boum! Voilà. Ok. Ok. Même sur la minimap, il y a des... Des petits mondes qui apparaissent. Vraiment intelligent. Je vais là-bas, ça fait quoi? Ça fait rien. Bon, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on retourne sur l'île principale. On a fait les trois premiers mondes. Il manque un bot, hein, dommage, un ou deux. On va retourner là, voir ce que ça donne. Quand, on les voit sur notre planète. Est-ce que ça va changer quelque chose? On va voir ça tout de suite. Ok, triangle en croix carré, la console sur mes droites,
le hub central s'affiche. Et nous, on peut atterrir tranquillement. Et on a nos bots qui apparaissent. Ratchet & Clank. Crash Bandicoot. Metal Gear Solid. Et puis les pièces de puzzle qui font des tableaux à la fin. Base des bots. Ok, il y a même des trucs secrets sur la base. On va visiter un petit peu la base, on va voir ce qu'il y a. Hein. En tout cas, ça se prend super bien en main. D'ailleurs, il y aura sûrement un truc, c'est obligé. Là-bas, on peut pas y aller encore. Il y a une pièce de puzzle au fond avec un oiseau. Ah non, j'ai dit bot, donc c'est bon, ça me permet... Ah oui, d'accord. Il en manque deux, voilà. Et moi, ça va me permettre de m'accrocher à eux. Voilà, super. Et voilà. Ah oui, en fait, le nombre de bots qu'on va récupérer, ça permettra effectivement de récupérer certaines choses. Alors, s'il en faut en récolter 300, à la fin, là, peut-être que ça formera un pont pour aller de l'autre côté. Il va sûrement y avoir des interactions comme ça. Qu'est-ce qu'elle me dit, elle? Pourquoi elle fait ça? Il va y avoir une ref. Et là, il faut combien? 10, c'est bon, 10 G. Un bot, oui, carrément un bot là. Il y a encore 10 là. Et là je peux monter sur eux. C'est trop bien. Il reste un truc là-bas. La musique est géniale. Dix aussi. Ah, c'est trop. Hyper ingénieux. Un bon platformer, ça révolutionne pas tout, mais... Mais ça fait le job, ça marche super bien. C'est effectivement, comme la plupart des trucs que j'ai entendus, c'est le plaisir de jouer, quoi. Le plaisir de jeu. Bon bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour, hein. Ça donne un petit aperçu, ça c'est quoi? Ah oui, ça c'était au Japon, ça uniquement. Cette petite carte mémoire spécifique. Là on voit la PlayStation 5. C'est génial. C'est génial, écoutez, regardez. On va se mettre devant la PlayStation 5. Et puis écoutez, on va se quitter là-dessus. J'espère que cette petite découverte, ce gameplay de Astro Bot sur PS5 vous a plu. En tout cas, ça donne envie. J'ai pas envie de lâcher la manette, j'ai envie de continuer. Donc, alors, oui, c'est la manette qui fait du bruit. Hein. Il se clip des trucs. Je m'étais en train de me dire, qu'est-ce qui se passe? Bah ouais, c'est la manette quand il bouge. Bon, en tout cas, voilà. Ça m'a vraiment plu. C'est vrai que ça donne envie de continuer, de pas lâcher la manette, d'avancer, d'aller au bout de l'aventure. Là, il joue à la PSP et tout, c'est génial. Non, franchement, voilà, ça va être, je pense, une note vraiment à l'ère PlayStation, avec plein de rêves, plein de clins d'œil, un peu un Ready Player One, en fait, du jeu vidéo.
de PlayStation en tout cas. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de continuer. Vous me direz dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette découverte et est-ce que vous avez commandé Astrobot, est-ce que vous êtes en train d'y jouer ou non. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Si vous voulez me soutenir, vous pouvez vous abonner, activer la petite cloche et lâcher un gros pouce en l'air. Et nous les geeks, on se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout. Ciao, ciao.